bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, non pas sur les vaches, non pas sur les chevaux, mais sur les livres. Donc, c'est des bouquins principalement pour tout ce qui est accès au jardinage, vie naturelle, autonomie de vie. Je vais commencer parce que ça risque d'être un petit peu long. Sinon, les sommaires, je vous les mettrai en photo sur le blog parce que si je vous les montre, vous n'allez rien voir. Je sais que moi, personnellement, j'aime bien voir le sommaire avant d'acheter un bouquin. Alors, pour tout ce qui est zéro déchet, mais ça, le zéro déchet, je vous referai une vidéo. Je vous conseille deux bouquins. Celui-là, je ne vous le présente plus. C'est le zéro déchet de Bea Johnson. Donc, c'est une Française établie aux États-Unis qui avait un train de vie assez luxueux et qui a envoyé balader tout ça, en fait, pour avoir une maison plus petite et plus fonctionnelle. Elle a tout, quasiment tout vendu ce qu'elle avait et ne garde que l'essentiel. Et vraiment, c'est un bouquin à lire. Impérativement, on le trouve vraiment pour pas cher maintenant. Moi, mes bouquins, souvent, je les achète, allez, à 80% sur Price Minister. Je crois que c'est Rakuten maintenant que ça s'appelle, ça a dû être racheté ou un truc comme ça. On les trouve vraiment pour pas cher. Celui-là, j'ai eu pour 3 euros frais de port inclus. Et normalement, il est à 7,60. Le deuxième livre, Zéro déchet, c'est la famille Zéro déchet. En fait, je pense que vous devez connaître également. C'est une famille, elle est illustratrice, il me semble. En fait, ils ont écrit un bouquin, donc tout ce qui est sur la vie zéro déchet, par quoi remplacer son liquide vaisselle par exemple, faire sa propre lessive. On a vraiment tout, pas mal d'astuces en fait. Celui-là, par contre, je ne l'avais pas acheté, on me l'avait offert, mais vous le trouvez également sur Price Minister. Normalement, il est à 15 euros, mais il me semble l'avoir vu pour 8-9 euros il n'y a pas longtemps dessus. Donc, il faut vraiment fouiller. Ça, c'est vraiment un livre pas mal. Il y a même les adresses pour trouver des choses à donner ou faire du troc. À la fin, on a un petit carnet d'adresses. On a des astuces pour bricoler pas trop cher. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Comme les cosmétiques, par exemple, il y a des recettes. Comme des shampoings, des crèmes. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Pas mal de comparaisons aussi de consommation. Je vous en reparlerai avec l'autre dans l'autre vidéo sur le zéro déchet justement. Ensuite, concernant ce qui se mange, le gâteau et douceur à indice glycémique bas. Donc c'est de chez Terre Vivante. Moi personnellement, Terre Vivante, j'en suis carrément fan. C'est des bouquins que j'adore. Et pareil, on les trouve sur Price Minister. Donc c'est des livres à entre 12 et 14 euros, cette gamme-là de livres carrés. Celui-là, il est à 12 euros normalement. Pareil, je l'avais eu. Ah non, je l'avais eu sur Amazon celui-là. Et donc c'est pas mal parce que si vous êtes, mettons, diabétique ou si tout simplement vous voulez faire attention à ce que vous mangez en sucre ou même faire des gâteaux moins sucrés, enfin moins sucrés, à indice glycémique plus faible pour vos enfants, c'est vraiment pas mal. On a pas mal de recettes. Et en fait, on remplace le sucre raffiné blanc qu'on connaît par des autres sucres, donc du miel, du sucre de coco, du sirop d'agave. Il y a vraiment pas mal d'alternatives. Et j'avais fait la dernière fois les cookies au spéculoos et pépites de chocolat noir. Et vraiment, ils étaient très très bons. Donc c'est un bouquin même pour offrir à Noël. C'est vraiment pas mal. Si vous avez quelqu'un, voilà, qui voudrait découvrir autre chose que du sucre standard, c'est vraiment pas mal. Et pour offrir aussi à Noël, donc soit on offre le bouquin, soit on offre ce qui est dedans. C'est justement de faire ces cadeaux gourmands. Vraiment, je trouve que ça change du traditionnel bouquet de fleurs, de s'amener avec des jolis gâteaux joliment présentés. On n'a même pas que des gâteaux, il y a des sirops, il y a vraiment pas mal de choses. Et ce bouquin-là, il est vraiment top des confitures. Et à la fin, on a des patrons. Alors, si je les trouve. Pour faire ces boîtes en fait. Voilà, on a des patrons comme ça pour faire ces boîtes et ainsi pouvoir offrir des pâtisseries. Mais c'est vraiment pas mal comme bouquin. Pareil, il était à 12 euros. Par contre, celui-là, je l'ai eu sur Price Minister. J'ai payé 8 euros, il me semble, pour inclus. Vraiment, ce site, il est pas mal. On fait des bonnes affaires. Et il n'y a pas que des livres d'ailleurs. Maintenant, il y a pas mal de choses. Ça devient un peu comme Amazon, j'ai l'impression. Ensuite, on va passer à ce qui est potager. Ici, vous l'avez compris, si vous suivez mon Instagram et mon blog, j'essaie de faire le plus possible de potager. Et puis, déjà parce que j'aime bien et aussi parce que je préfère manger ce qui pousse chez moi. Je prépare mes potions pour le jardin. Alors, ce bouquin, il est vraiment top. Celui-là, par contre, je l'ai eu sur Amazon, mais on le trouve
chez Terre Vivante à 12 euros ou sur Price Minister, vous l'avez aussi maintenant, il y est. C'est donc les potions pour le jardin. On a vraiment toutes les sortes de. Comment on appelle ça? De purin, d'ortie, de purin de prêle. Vraiment pas mal de. Je vais essayer de trouver le sommaire d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Alors, ah bah il y a l'index général. Donc en fait, on parle de plusieurs plantes. Et pas que des plantes d'ailleurs. On a aussi les engrais organiques, tout ce qui est. Fumier et compagnie, les cendres de bois, on a les extraits fermentés, on a l'utilisation d'argile, on a vraiment pas mal de choses. Je vais de toute façon vous les photographier. Bah regardez, d'ailleurs à la fin on a un tableau avec les effets, si c'est engrais, stimulant, répulsif, tout ça, et comment on peut l'utiliser en fait. Parce qu'il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Pour offrir un Noël, c'est vraiment un chouette bouquin si vous avez quelqu'un qui aime bien jardiner, faire pas spécialement du potager, mais faire pousser des fleurs, tout ça. Il y a pas mal de choses pour faire son propre engrais dedans, et c'est vraiment pas mal. Et on peut faire aussi des engrais avec de la bouse de hache, et j'ai pas encore essayé, et pourtant c'est pas ce qui manque à la maison. Ensuite, ça c'est un bouquin qu'on m'avait offert de James Wong, c'est... Le potager des saveurs. Donc ce livre il est vraiment pas mal pour ceux qui adorent faire un potager. Donc on a vraiment tout. Enfin, quelqu'un même qui débute, pardon, c'est un très bon livre. On a donc par exemple pour faire un spray au jasmin. On a tout ce qui est expliqué, l'intérêt du greffage d'ailleurs. Pour planter les arbustes, planter les arbres fruitiers. On a pas mal de fruits et légumes expliqués. Par exemple, là, on a le maïs avec les différentes variétés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour faire pousser du maïs, on a les pois. On a vraiment pas mal de choses. On a pour faire les cheesecakes. Il y a pas mal de recettes comme ça sur le côté. Sur les courgettes, les courges, les fraises... Il est vraiment très 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 bien ce bouquin. Et il y a pas mal aussi de choses pour conserver les aliments. Regardez là pour mettre une poire en bouteille par exemple. Donc c'est vraiment très très bien. Et même pour quelqu'un qui est déjà expert en potager, je trouve que ce bouquin est vraiment bien. Parce qu'il explique vraiment, vraiment de A à Z chaque légume. Et comme là à la fin, on a des recettes pour faire ces sirops, ces fleurs cristallisées. C'est tout ce qui est les infusions en fait. On a également les trucs et astuces pour comment faire pousser du safran par exemple. Ça, j'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien essayer un jour. Mais vraiment, et puis les modes de conservation aussi, conservation à l'huile, au vinaigre et tout ça. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Au niveau du prix en France, on doit le trouver à un petit 20 euros, je pense. Et pareil sur Price Minister, vous pouvez le trouver. Sur Amazon Angleterre aussi, mais bien sûr il sera en anglais. Et par contre, mais on le trouve en français, hein, il n'y a pas de soucis. Ensuite, pour le potager, alors ça c'est le manuel de la permaculture que j'ai trouvé sur Price Minister toujours. Il est à 16,90€, mais je l'avais eu pour moins de 10 euros frais de port inclus. Vraiment une affaire, on fait des super affaires sur ce site. Donc ça, pour le débutant en permaculture, la débutante que je suis, c'est vraiment pas mal. Il y a tout d'expliqué au niveau de la pollinisation des plantes, au niveau, il y a des plans aussi pour faire des potagers, comment avoir une certaine rotation de culture, comment cultiver sur but, faire son compost. Il y a vraiment tout pour débuter la permaculture, et ce bouquin, pour moi, c'est vraiment le livre à avoir si on veut débuter. Il y a pas mal, regardez, hop, il y a des plans comme ça de fées. Ben, ça donne des idées en fait si on veut se faire, si on veut commencer comme ça. Ça donne pas mal d'idées selon si on a du temps pour jardiner la semaine, si on n'a pas trop de temps. C'est vraiment adapté à tous. Très bien expliqué d'ailleurs. Il y a aussi les paramètres de sol d'expliquer avec les pH, tout ça. Il y a aussi la faune du jardin. Il y a l'observation de la nature, il y a les plantes pour aider les plantes aussi, ça c'est pas mal. Les plantes hop, avec des tableaux vraiment explicatifs. C'est vraiment un bouquin à avoir si on veut débuter en permaculture.
Je vous mettrai pareil le sommaire en photo sur le blog et je vous mettrai le lien. Je vais essayer de vous mettre tous les liens Price Minister de, bah, des bouquins si on les trouve encore, du moins. Et comme ça, bah, vous les aurez très facilement. Et le dernier pour le potager, c'est je prépare mon potager d'hiver. Donc ça, c'est pas vraiment pour faire un potager en hiver, mais pour faire un potager en amont pour pouvoir récolter en hiver. Donc c'est vraiment pas mal expliqué. On a les, bah, les légumes en fait d'hiver. Hop, je vais essayer de vous montrer. Donc on a les différentes zones, comme nous on est en Haute-France. Et en fait, selon les climats, ça va être expliqué d'une façon différente. Alors, par exemple, on a aussi pour la pollinisation, le compost aussi expliqué, et également les méthodes de conservation, comme la fameuse méthode du tambour de machine à laver dans la terre recouverte de paille. Je n'ai pas encore essayé, mais il paraît que ça marche très très bien. Le petit sommaire sur les légumes. Si vous voulez regarder, bah, vous mettez pause tout simplement. On a vraiment les légumes d'hiver, donc betteraves, cardons, tout ça. Et à la fin, on a, voilà, pour les stockages, donc les différents modes de stockage, pardon. Donc ça, c'est pareil, un bouquin à offrir si, à Noël. C'est pareil, c'est 12 euros, non, 14 euros celui-là. Mais c'est pareil, on doit pouvoir le trouver sur Price Minister, édition Terre Vivante, toujours. Ensuite, ça c'est des bouquins pour plus la vie en autonomie, pouvoir être en autosuffisance chez soi. Alors le premier, il doit être un peu plus ancien que le second. C'est aux éditions Larousse, le petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde. Alors c'est vraiment le livre de l'autonomiste débutant. On le trouve pareil sur Price Minister. Bah, j'ai eu là d'ailleurs. Normalement, il est à 20 euros et je l'ai eu pour. Je sais plus, mais j'avais fait une super affaire pareil. J'ai dû l'avoir pour 8 euros, un truc comme ça. Donc, par contre, le seul bémol, c'est qu'il manque clairement d'illustrations en couleur. Ça fait un peu terne comme ça. C'est beaucoup de pages un peu à l'ancienne, beige avec des dessins en fusain, un peu comme ça. Donc, on a tout expliqué. Donc, on a déjà la maison écologique avec tout ce qui est éolienne et tout le. Isolation, choisir comment isoler sa maison avec des méthodes naturelles, les toilettes sèches, l'énergie solaire aussi, donc l'énergie éolienne, oui, comme j'ai dit, et le potager bio, bien sûr, hein, parce que bon, il y a pas mal de. L'autonomie de vie, c'est quand même aussi produire sa propre nourriture, donc les légumes et les fruits bio, donc la production, c'est pas mal expliqué aussi au niveau des dates de semis, tout ça, il y a pas mal de conseils. Donc après, hors tout ce qui est légumes et fruits, vous allez avoir comment faire votre propre élevage, mettons de poules, de chèvres, de moutons, d'un peu de tout. Donc là, on a les poules, on doit avoir les chèvres, les lapins, quelque part qui se promènent. Là, on a les oies. Donc ils expliquent comment faire leur abri, quelle surface est nécessaire. On a comment faire leur ration aussi. C'est vraiment pas mal expliqué. Et là, c'est plutôt tout ce qui est fait maison. C'est avec ce livre-là, d'ailleurs, que j'ai appris à faire mon fromage avec le lait des vaches. Je crois que c'est dans celui-là ou c'est dans l'autre. Non, c'est dans celui-là. Faire son beurre aussi. Si vous avez un fermier près de chez vous et que vous allez chercher du lait, vous pouvez faire votre beurre. Vraiment, c'est carrément bien expliqué. Et si vous voulez vraiment débuter dans le, ben, dans l'autonomie de vie, être autosuffisant. C'est un bouquin à avoir avec l'autre que je vais vous montrer. Donc, mais je pense, je ne sais pas de quelle année il est d'ailleurs. Souvent c'est écrit, je vais essayer de regarder. Ah non, oui, 2007 quand même. Bon. Mais c'est vraiment un très bon bouquin. Je pense que ça devait être sans doute un des premiers sur ce thème-là à sortir. Je ne sais pas trop. Après, il y a un PDF que je vais essayer de vous retrouver, mais par contre, le truc fait 400 pages. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je vais essayer de vous le trouver et de vous le mettre sur le blog. Ensuite, celui-là, c'est pareil, c'est un livre dont je suis carrément fan. C'est Vivre en autosuffisance, pardon. Vivre de peu, mais vivre mieux. C'est un livre, pareil, qui coûte 20 euros, mais je l'ai trouvé, bah, pareil, sur Price Minister pour moins de 10 euros. Donc, il faut vraiment fouiner et aller de temps en temps parce qu'on trouve vraiment des bonnes affaires. On a la culture, alors on a donc l'aménagement dans la maison avec l'énergie solaire, tout ça, la gestion des déchets.
On a aussi la culture et l'élevage. Donc, avoir un jardin productif, installer un système d'irrigation dans sa serre, fabriquer un puits thermique. On a aussi le jardinage en zone urbaine. Si vous êtes en zone urbaine, c'est pas mal. Ensuite, on a le choix des cultures. Exploiter un grand terrain aussi, si vous sentez l'âme d'un maraîcher, par exemple. Au niveau de l'élevage, donc il y a un peu. En fait, je trouve que ces deux livres se complètent. Donc là, au niveau de l'élevage, on a donc les poules, les dindes, les canards, les oies, les cochons, les moutons, chèvres, vaches, l'apiculture aussi, et chasser et pêcher. Mais bon, chasser, il faut un permis, donc pêcher aussi d'ailleurs. Ensuite, on a les savoir-faire traditionnels, donc tout ce qui est fromage, crème, yaourt, tout ça. Et les mises en bocaux, la conservation, faire son vin, sa bière, son hydromel, le cidre aussi, ça j'ai pas encore essayé. Et on a aussi les remèdes naturels dans ce bouquin-là qu'on n'a pas dans l'autre. Je vais de toute façon vous photographier. Donc c'est aux éditions Larousse. Donc c'est un bouquin, je sais plus le nom de ceux qui l'ont fait, mais c'est deux Anglais en fait, et ils ont fait pas mal de bouquins sur ces trucs-là. Tout ce qui est jardinage, vie en autonomie, tout ça. Il est vraiment bien illustré. En plus, il est super grand et il y a pas mal de pages. Enfin, c'est vraiment. Et pareil, il y a des plans pour faire des. Ça donne des idées d'organisation. Je vais essayer de vous montrer les. Donc, ça, c'est tout ce qui est énergie. Tout ce qui est énergie. Là, c'est plutôt l'élevage et la culture. Ah oui, la culture hydroponique, ça j'aimerais bien essayer, mais pour l'instant je me contente de mon potager en terre. Choix des cultures, aménagement de la serre. Voilà, donc là on arrive aux cultures, différentes cultures, différents légumes. C'était quoi ça? Une spirale, ouais. Herbes aromatiques, j'essaie de lire à l'envers du coup, mais c'est pas évident. Mais vraiment, ce bouquin-là, il est pas mal à se faire offrir ou à offrir même. Les bols de poules, les cochons. Et à la fin, vous avez. Voilà, le savoir-faire maison avec les produits maison. Vraiment, il est pas mal. Je vais vous mettre toujours le lien et les photos du sommaire. Voilà, donc c'est des bouquins que je voulais vous présenter parce que bah, si vous voulez justement commencer dans ce mode de vie, entre guillemets, autonomiste et. Ouais, j'allais dire self-sufficient parce qu'en anglais on dit comme ça, mais je sais plus comment on dit en français. Ah! Autosuffisant. Et donc. C'est des bouquins, je pense, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Soit faites-les vous offrir ou je sais pas. Mais après, il y en a d'autres, hein, forcément, mais bon, je les ai pas encore. Et aux éditions Terre Vivante, par contre, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, et eux-mêmes ont un site internet où on peut trouver leurs bouquins. Mais bon, du coup, ce sera le prix normal, hein, du livre. Si ça vous fait rien d'avoir des livres d'occasion, bah, allez sur Price Minister. Moi, c'est comme ça que je les ai eus. Et franchement, vous voyez l'état des livres, ils sont comme neufs, hein, mais bon. C'est des prix d'occasion et les livres sont vraiment comme neufs. Et après, ah oui, ça c'est plutôt au niveau des magazines, si vous aimez bien les magazines de jardinage. Alors moi en France j'en ai déjà eu Jardin et Maison, Rustica, tout ça, mais j'y trouve pas mon compte, je sais pas pourquoi. Et par contre, à chaque fois que je vais en Angleterre, bah, j'achète mon Gardener's World, pardon. Donc cette fois-ci c'était comme ça. Donc c'est vraiment. Alors si vous parlez anglais parce qu'ils le font pas en français, mais c'est vraiment un magazine hyper complet. On a vraiment tout dedans. On a aussi bien. Bah c'est beaucoup aussi sur la faune sauvage. Hein. Les Anglais sont très protecteurs au niveau de leur faune. D'ailleurs quand vous vous promenez, vous voyez pas mal de renards, de blaireaux, tout ça. Je vous mettrai, tiens, quelques images après cette vidéo de ce qu'on peut voir en Angleterre. Et c'est vraiment pas mal. Mais je trouve que c'est pas mal expliqué en fait. Et il y a beaucoup de conseils. Et puis il est vachement épais ce magazine. Ils le vendent. Ça doit être dans les 4. Je sais même pas. 5 livres, ça fait 6,50€, 6,60€ là quelque part. Moi je pense que si vous avez l'occasion. Ou essayez d'aller sur leur site. Je sais qu'on peut s'abonner en ligne. Mais pour les Français, c'est vraiment hors de prix. Ça doit faire 80 livres par an. Je crois que c'est un mensuel. Mais bon.
ça fait un peu, bon, voilà. Si vous sentez de les mettre pour un magazine, allez-y. Après, il y a Grow Your Own, donc c'est pareil. Alors, les deux magazines sont toujours avec des paquets de graines gratuites. Donc, bon, ça compense un peu le prix du magazine. Donc, le Grow Your Own mag, c'est pareil. C'est plein, plein, plein de conseils et d'adresses, de bons plans. Moi, je sais que, bon, personnellement, maintenant, j'achète plus trop de magazines français parce que vraiment, j'y trouve pas mon compte. Et quand je vais là-bas, ben, je fais mon plein, entre guillemets, j'en prends un de chaque. Et puis, ça me fait ma saison. Et par contre, oui, si vous commandez en ligne les magazines, par contre, ils seront en anglais, hein, ils ne font pas d'édition française. Par contre, au niveau du nombre de... Il y a pas mal de trucs aussi pour commander en ligne. Il y a des codes promo, pas mal. Mais bon, du coup, c'est des sites anglais. Donc, celui-là, il y a 114 pages. Donc, c'est des gros magazines, hein, vraiment. Et l'autre, 170. Donc, ça justifie clairement le prix du magazine. Donc, voilà. Donc, je vous mets quelques images pour le plaisir après cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut !